président de la République, l'excellent Jovenel Moïse, accompagné par le Premier ministre, le docteur Jacques Guy Lafontaine, président de Chamio, honorable Yuri Latortue, avec Scholzer Chancy, a fait lundi 1er mai 2017 le lancement officiel caravane changement dans la localité La Grange, 5e section communale Bocozel, Saint-Marc. C'est dans signe solidarité, espoir et go la contentement. Population Bocozel et environ yo te accueilli caravane. Moun Valé la Tibonite te montre comment yo kon accueilli moun. Caravane, c'est pour chef l'État, un engagement en faveur du développement agricole là en Haïti. Il exige gros résultats bon côté chaque acteur qui a joué pour jouer partition payo. Caravane, c'est pour lui tout, une façon pour haïtiens couper fâché avec mentalité chaque coucou clé pour géo. Li kwè pèp ayisyen se yon pèp ki kon travay, se pou sa li mete lak yo ak soleil la, rivye yo ak tè a. Anè sa, 1er mai se symbol yon engagman nasyonal. Sa vle di, engagman tout pèp ayisyen, engagman ke nou chak ki vin la matin, genyen pou relanse prodiksyon nasyonal la. Moun La Grange, moun La Tibonite, moun Bocozel, map mache avec nous jusqu'à ce que nous jouen résultat production que nous cherchons. Moi même, map campé derrière nous, map pot de l'eau pour nous, map pot route pour nous, map pot usine pour nous dans la vallée pour chercher du nous. Nous n'avons pas de rendez-vous avec échec. Nous n'avons pas de rendez-vous. Akrasé brisé, nous pas gen rendez-vous ak ying hang, nous pas gen rendez-vous ak yon railot, nous gen rendez-vous ak changement, nous gen rendez-vous ak l'union fait la force qui se devise nous. C'est moun kap travay dans l'État qui pou bay exemple changement, c'est employé l'État qui pou kore démocratie. Nous chaque supposé yon modèle, chaque ministre qui l'a, chaque gros fonctionnaire l'État qui l'a, c'est pour nous connaître, nous là pour nous servir peuple là. Nous c'est serviteur peuple là. Nous avons un gros job, nous avons lu un gros livre, mais là nous fin lire un gros livre, c'est pour nous mettre ça nous un gros livre en application pour peuple là. Il y a divers produits agricoles haïtiens qui ont pour encourager dans cadre caravane à côté plantation d'Iria. Plusieurs milliers plantés a bien pour travail dans vallée à tout. Président Jovenel Moïse croit haïtien pas qu'à continuer à vivre dans conditions ça encore. C'est pour ça axi pour tout le monde li croit la privé drainer, irriguer et puis fournir semences pour permettre agriculteur au travail et puis poursuivre travail ancien président Dimas a estimé te commencé faire. Ministre agriculture a pas de caché intérêt programme ça gain. Jour ça de célébration ça son date qui charrié un symbolisme puissant. Parce que l'hypothèse relancement et innovation dans le secteur agricole là. Caravane changement, c'est un élément clé dans la stratégie gouvernement pour agir pour le développement du secteur agricole là, secteur environnement et transport. Toute zone Bocozel là, avec les environs, est décorée avec flèches, tables, rideaux pour accueillir chef l'État et invité qui est sorti de tous côtés dans le pays. Il a cléonné satisfaction avec volonté politique président Jovenel Moïse pour transformer l'agriculture nationale. Nous vous remercions pour tout ça que vous faites pour nous et ce que vous continuez à faire pour nous. Nous ne pouvons jamais suspendre content, remerciement, bon remerciement. À La Grange, vous avez été humilié, mais le président Jovenel Moïse, nous avons l'autre bagaille, nous avons l'autre bagaille. Pour les zones malades en pile, c'est juste le président fait un travail là qui est vraiment content et satisfait de ça. C'est bien, maman, toujours remercier et me battre de balle votre moyen. Il y a une flotte de pelles, excavatrices, bulldozers, lodés, camions, gridés, compactés, bacolodés, motoprojecteurs, camions de l'eau et latriers déjà déployés dans la vallée.
Caravane changement qui commence 1er mai 2017 là, c'est un signal clé président République là pour moderniser agriculture et puis permettre pays d'Haïti grand monde tête li sous plan agricole.